Bonsoir tout le monde, bienvenue sur News Aid. En fait, nous portons pour une décision judiciaire dans cause immigration parce que c'est une bonne nouvelle. Et décision ça a lié un rapport avec monde qui a demandé asile. En aide de comprendre ça qui passé et décision ça qui fait dans fédéral par un fédéral juge dans Washington DC, décision ça prend lundi et je dis à c'est lundi, je dis à même. OK? Je dis à lundi hier. Yeah. Et maintenant décision ça a éliminé une politique qui était faite sous l'administration Donald Trump là par Shadow of it, là, c'est lui-même qui était boss en chef du CIS. Qui ça le dit? L'idée dit que eh bien lorsque un monde fin appliquer pour asile ou t'es gagné pourtant 365 jours en vent pour appliquer quatre travail. Ça on va être chargé. Ou imagine ou rentrer dans un pays, ou demander asile et puis il faut attendre presque un an en vent pour faire application pour quatre travail. OK? Décision ça a tout, mais ça elle te dit l'été éliminer obligation DHS t'es gagné pour le process work permit pour moun kap mande asile non espace de 30 jours pas avant 30 jours de, disons pas supposé quitter 30 jours dépassé. Donc ça m'a permis de comprendre là c'est que sous administration tromplan il dit que eh bien OK ou vient nous mande asile mais on fin faire asile ou ap gen pourtant un an en vent pour réussir capable faire application de travail. Elle dit, lors d'une faire application de travail encore, mais sous ça, il dit que cette histoire pour faire rapide bas ou c'est avant 30 jours, pas gen bail comme ça. Il te dit que USCIS a fait l'el capable. Donc, nous constatons dans l'el capable, là, je ne j'ai dit, ah, l'el capable pour USCIS sont tête chargée tellement au printemps. Mais dans ce qui passe, Juno Washington, non, eh bien, lui réagit sous deux politiques ça. Ça qui t'a empêché ou joindre work permit, m'a parlé de asalam si que moun kap mande asile, yo di li invalide. Li invalide parce que justement moun ki nan poste ça en parlant de shadow off, li pa gen autorité pour te prendre de pareille décision. Et que administration Biden nan pa ka continuer à appliquer règlement ça parce que shadow off pa gen pouvoir. Nous rappelons des grands piles discussions sur le Shadow of ça. Puisque, grand loi de succession. En fait, ce n'est pas seulement aux États-Unis, tout côté, grand logique. Logique, c'est ça. Non, administration, sous directeur. Mais si vous pensez qu'il ne va pas prendre un ministre employé et puis c'est lui pour promoter. Par contre, si vous comprenez. Et c'est ça qui passe dans le Shadow of là. Vous avez violé la loi de succession. Ben, ça a été un pile de discussions dans la justice déjà. Parce que Shadow of, c'est non poste que normalement, et comme si il a gravi échelon. Pour en Italie avec Donald Trump, yo te atterri dans pas ça. Donc décision on dit que ancien secrétaire d'État DHS là, Wolf, li pas installé de manière valide au niveau du département de sécurité et que par conséquent, li pas te gain en quelle autorité pour li te inac regulation en politique. En ce sens, c'est pas ça seulement qu'on bon l'autre bagage capable décider tout ça monsieur te faire voyer au jeté. Maintenant, on a parlé pour vous que dans des décisions ça yo que monsieur te prend et d'abord nous dit bien youn qui te mandé et DHS éliminer bagaille requirement faut qu'on dégage ou faire votre permis pour moun qui a demandé asile dans l'espace 30 jours. Premier et c'est sous quatre travail pour asile c'est que et je qui te dit que c'est 365 jours. Donc en clair ça veut dire, il veut dire en fait, décision fait point. L'on décision fait point, le cap, on si t'en bas qu'on est, un mois, whatever. L'Ivier dit, dans les jours à venir, tout le monde qui a demandé asile, eh bien, ou pas de gagner, parce que ça n'a pas de gagner pour Bella. Généralement, ça nous dit qu'on dit, bon, ici, là. Nous avons toujours bon advice qui j'ai pour contourner ça. Parce que généralement, j'ai nous contourner, c'est qui ça lié. Nous toujours dit ça, bon, ici, là. Tout le monde qui demande asile, dégageons, entraînons à ça, et ça nous dit toujours tout. Pour ça, la cabo couverture. C'est l'homme, l'homme entraîne à l'asile ou à ASAP, ASAP, l'avait dit ASAP, l'homme psychoadvocat,
li veut dire asalam si que advoquer que si project ça te dit asalam la te permettre que décision partager sur vous même li te permettre que un ou t'es capable appliquer dans 150 jours Jean Satéye, deux et de pour faire quatre travail wa yo te supposé ba ou li non moins que 30 jours maintenant ça t'avait dit avec décision ça pas gain obligation pour entrer dans asalam. Ça dit bien, son décision fait prend. Vous connaissez en matière de droit, l'on décision fait prend, il y a pour un petit temps pour implémenter, pour exécuter. Livre le dit à partir de décision ça. Et pas gain obligation pour entrer dans ASAP encore. Li pas gain obligation faut que son membre ASAP. OK? Pour que et ou fait quatre travail dans 150 jours pour que DHS émettre 4 travail dans moins que 30 jours. Je pense que c'est une plus grosse décision. Bagay 4 travail dans moins que 30 jours. Maintenant, et alors la USCS a une cause dans le menu. Parce que quand il a dit là, il a le droit de dire, l'oblige à Bali. So, maintenant, ça nous voulait dire, peut-être ma petite clarification, moins que 30 jours, c'est surtout le monde qui pourra faire 4 travail pour la première fois. Maintenant, la grande question, est-ce que l'app valable, est-ce que ça a toujours valable pour le renouveler? Par contre, ça est-ce qu'elle est toujours valable pour le renouveler? Que je ne suis pas fin sûr. Donc, ça pour qu'on. L'aime dit toujours valable, le renouveler, est-ce qu'il y a toujours une obligation pour le kembe 30 jours ça? Mais ça qui est sûr, c'est que pour le monde qui fait 14 pour la première fois, c'est dans moins que 30 jours. Ok? Et 150 jours, de pour que 150 jours sur asile ou à faire 4 travail. Donc, c'est une grande victoire liée pour le monde, en fait, décision justice qui sortit dans Washington. Je dis lundi, c'est une grande victoire liée pour le monde qui a cherché asile. Maintenant, je vais faire hypothèse, je dis peut-être, il est capable d'appliquer pour le monde qui a renouvelé, parce que si tout le monde qui a renouvelé, on a un doule là, ok? Le monde qui a renouvelé 4 travail, il a 7 mois, 8 mois, il a 10 mois. Eu ra vou katra ali bali. OK? Maintenant, la grande question tout. Baba tête nous menti. Gon côté et USCIS pral nan problème. Parce que la justice a fait l'obligation pour le bail 4 ça ou nan moins que 30 jours. Il déjà pas gen ressources. Ou konsa ça va le dire? Il faut bon bail l'argent li a. Mais ça va le dire zanmi pam. Li va le dire ou même qui pas fait partie de groupe moun privilégié ça ou a victime public sur m'oblige bon bail l'argent li a. Li une bonne nouvelle, c'est vrai dans le cas pour moun k'ap mande asile, mais il veut dire si nous prend hypothèse là pour ça lié a. Dans le sens que USCIS a dit c'est backlog li gagne, c'est manque de ressources humaines que li gagne parce qu'il bail tout plein dit mais c'est ça qui passé. Lorsqu'on gagne backlog ou gagne manque de ressources humaines, gagne une décision qui dit ouais groupe moun sa ou a dégager pour bail en 30 jours. Laisse ça son décision de justice ou pas le dégager ou demain le faut bail moun sa en 30 jours. Ça d'après vous même en toute logique qui conséquence il va le gagne. Conséquence immédiate pour faire ou gagne deux choix. C'est soit pour augmenter personnel ou yo, et ou pas capable respecter décision judiciaire, pas rien dans ça. Son décision judiciaire, faut qu'on respecte elle. Maintenant, ou demain le ou dégager pour qu'on est pour respecter elle et qui est-ce qui va le payer pour casser ya? Malheureusement, moun qui va le payer pour casser ya, c'est l'autre kayo, c'est l'autre moun yo, c'est l'autre groupe moun yo. L'autre groupe moun côté que pas rien qu'une décision judiciaire qui fait obligation moins 30 jours, yo même yo ka toujours chanter quant à moi ba ou pour dire OK ou connaît ceci c'est là. Donc et réalité c'est que il ka gen impact justement sur l'autre groupe moun captain kat travail captain peut-être d'autres types d'applications que ont. Maintenant nous avons pour vous semaine dernière là que USCIS commence à lever pied, yo ouvri d'autres centers nous pensons que a bien des améliorations et yo comprendre ça parce que il y a la justice souvent avec cause de retard là yo gen des efforts que a fait nous autres nous t'a souhaité et nous rete quoi que dans les jours à venir, yo pral améliorer situation puisque son situation qui insupportable, intenable. Donc, on doit prendre le cas de TPS. Je dis à TPS pral parti pour n'importe combien là. 2 mois d'août. Mais nous entrons dans 14 février là, yo quitté 6 mois derrière. Donc son situation qui inacceptable. Et on connaît ça. Yo connaît ça. Donc ceci dit, nous autres nous était quoi que et y a fond gens pour yo améliorer pour améliorer justement service. Et donc pense que c'est quand même un bon décision qui prend notamment pour moun k'ap chèche asile
et d'autres update tout font tout que ça gon ba qui sorti là dans semaine là ça nous les mission statement ça veut dire mission USCIS pas oublier que Donald Trump t'a changé yo Biden tunnel back phrase ça pour dire que nous c'est une nation d'immigrants ben Donald Trump pas vle tande parole ça pour dire que les États-Unis sont nation immigrants t'a fait éliminer phrase ça dans mission USCIS et bien yo retourner le back pour rappeler que les États-Unis sont nation d'immigrants et maintenant li gen terme pour côté ou dit respect pour tout monde qui a servi son nation qui souhaiter la bienvenue et bay possibilité pour migrants. Donc ça fait partie des efforts USCIS pour construire ça dans relé un immigration système qui beaucoup plus accessible, beaucoup plus humaine. Donc c'est dans sens ça a causé ça fait. Donc voilà guys, moi pensé que c'était une bonne information pour moun asilio qui vraiment même avec toute l'autre catégorie moun, et pas seulement asile. On dit décision ça c'est pour asile mais en ce qui a trait avec moun qui gen pétition qui a souffri en pile moun c'est yo vraiment dit un peu fatigué et j'en dis là moi pense que bah yo a bien pour améliorer dans les jours à venir. Donc voilà guys, nous te voulons partager info ça yo avec vous, c'était vraiment un véritable plaisir. Portez-nous tout bien.